Que j'ai envoyé des emails dessus, j'ai dit mon offre est résistible. Ok, après félicitations, vous êtes un vrai résistant parce que vous avez résisté à mon offre irrésistible. Et là, ça fait tilt. Je dis le premier du mois, vous m'envoyez la demande et le 5, je vous paye. Oh, alors là, qu'est-ce que j'ai pas dit parce que. Une révolution là. J'ai envoyé. Tous mes contacts, j'ai dit ça. Quoi, le premier du mois, qu'est-ce que je m'envoie la demande et je vous paye. Et ils arrivent sur celle-là de page, la deuxième page. Votre récompense mensuelle. Oh putain, un formulaire. Le premier du mois, vous m'envoyez la demande et le 5, je vous paye.
Les conditions, bon là il y a du texte, je lis pas, hein, je lis pas. Bon, faut être payé là, comment on fait? Et alors, j'ai reçu plein d'emails en réponse. Plein, plein d'emails. Lilia Gomez me dit, tu es fatigant. Eh oui, c'est ma qualité première, fatiguer les gens. Je les fatigue avec tout, même avec les emails, j'en envoie plein. Mais là, j'ai trouvé vraiment un truc, c'est marqué le premier du mois, vous m'envoyez la demande, et le 5, je vous paye. Donc, Lilian Gomez, si t'es sérieux, j'en sais rien si t'es sérieux, hein, mais t'es fatigant, mais t'es con. Alors, si t'es, je suis fatigant parce que je fais des lives, bah, tu sais pas utiliser Facebook, tu me fais bannir, déconnecter, enfin, tu voilà, te casses, quoi, genre. Tu vois, ça te fatigue vraiment. Après, si tu rigoles, t'as le droit, hein. Donc là, sur les emails que j'ai envoyés, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les gens, ils voient, je vous paye surtout. C'est ça qui est intéressant. Mais pourquoi je les paye? Ça, ils savent pas. Et ils essayent de comprendre, je pense. En tout cas, ils remplissent le formulaire. Pourtant, c'est marqué, le premier du mois, vous m'envoyez la demande. Pas le 16, pas le 17 ou autre. Après, j'ai marqué les conditions. Rappel de mon offre. Premièrement, être mon filleul. Deuxièmement, mon offre. D'accord? Là, il y a marqué, m'envoyez la demande le premier du mois. Je marque, si vous envoyez votre demande un autre jour que le premier, je ne veux rien vous répondre et je ne vous enverrai pas votre récompense. Voilà. Tout ça, c'est marqué là-dedans. Mais peu importe. Là, j'ai eu 10 envois de ce formulaire. Alors, après, je peux pas dire, c'est des Africains, oui, mais il y en a, c'est pas des Africains, mais ils sont débiles quand même. Par exemple, Muriel Delacou, SFR.fr, c'est pas africain. Elle envoie le formulaire, donc déjà, bien sûr, ce n'est pas ma filleule, hein, elle est pas ma filleule, elle envoie le formulaire avec marqué nombre de filleules, zéro. Donc même si elle était ma filleule, qu'elle a zéro, 0 fois 5 euros, ça fait 0, c'est même pas la peine d'envoyer le formulaire. Oui, non, mais alors Aubin dit, ça suscite l'intérêt, mais pas forcément le bon. Ben, si, en fait, c'est pas grave, parce que, disons, c'est ça, c'est juste, c'est marrant. Mais en fait, suscite l'intérêt, c'est le fait de dire, je vous paye, c'est bien, ça les excite, voilà. Après, ils viennent. Que tous les débiles de la Terre, déjà, vont poster le formulaire le 16. Je pense. Tous les autres vont lire, vont dire, ok, faut être son filleul, c'est pas pour moi. Ah, ok, le peu qui sont mes filleuls vont dire, ah, d'accord, c'est le premier du mois, donc ça a rien de l'envoyer maintenant. Tu vois, les seuls qui vont réfléchir, en fait, vont pas envoyer le formulaire. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qui sont arrivés sur la page, qui ont lu, même qui n'ont rien compris, mais qui n'ont pas envoyé. Là, les 10, on va dire, les emails, là, c'est des champions. Champions du monde. Il faut vraiment les prendre. Ça, c'est des gens que vous pouvez arnaquer de. Voilà. Pourtant, Bruno T1, Hotmail, Info Thailand Diving. Lui, je pensais qu'il n'était pas abruti, parce que s'il me dit quelque chose, cet email. Mais apparemment, il est abruti quand même, parce qu'il marque 3. Donc, il doit avoir 3 filleuls. Mais il n'est pas dans mes filleuls à moi. Et il n'a pas vu que c'était le premier. Le premier, c'est quoi? Le premier du mois. Donc il est quand même un peu abruti ou alors simplement il fait trop chaud, j'en sais bon, je peux trouver des excuses. Mais sinon, là, la personne qui marque Marilyn Lance ou Dick Coude 01 à la place de marquer le nombre de filleuls, faut arrêter au bout d'un moment de trouver des excuses aux gens, quoi. Et là, c'est la débilité profonde. Donc c'est quand même marrant. Mais surtout, ce qui est marrant aussi, c'est les emails que j'ai reçus en texte. Je sais pas si c'est les mêmes, mais c'est les gens qui me demandent, bon, tu peux m'expliquer, s'il te plaît, j'ai pas tout compris, explique-moi. En fait, on sait pas ce qu'il a pas compris, mais en gros, ce qu'il a compris, c'est je te paye. Ah, d'accord, ouais, comment? Pourquoi on s'en fout, en fait, pourquoi je les payerais? Mais, vas-y, vas-y, envoie les sous. Voilà. Donc, c'est une bonne offre, je trouve, c'est irrésistible, parce que ça touche quand même le. Bon, les débiles mentaux, ça veut dire qu'ils comprennent un peu quelque chose dedans. Et ce quelque chose, il est compris par tout le monde. Après, ceux qui réfléchissent un peu plus, ou qui ont plus de capacité, voilà, pour analyser, quoi, ils ont quand même ça qui les touche, je vous paye.
Et après, il y a le reste, quoi. Les conditions, les machins. Ah bon, en fait, celui qui comprend tout, il se dit finalement, ouais, ben, enfin, c'est juste une offre pour que je le paye à la personne, en fait. Il faut que, déjà qu'elle gagne des sous. Il faut déjà qu'elle ait des filleuls. Et en plus, pour que je la repaye le mois d'après, il faut qu'elle ait plus de filleuls que la dernière fois. Tout ça, c'est marqué. Premièrement, il faut avoir plus de filleuls que la dernière fois que m'avait envoyé une demande. Donc, si tu as le même nombre de filleuls, si tu restes par exemple à 3 filleuls, je vais pas te payer tous les mois 15 euros. Non. Il faut avoir plus de filleuls que la dernière fois que vous m'avez demandé. Même si ça fait 3 mois. Voilà. Donc, déjà, cette règle, elle change un peu. C'est pas je vous paye tous les mois 5 euros par filleul. Non, hop, c'est un petit changement. Il faut que tu augmentes ton nombre de filleuls. De toute façon, mon but, c'est. Voilà. Je veux que d'affiliés en aient plus. Je vais pas les payer à vie pour leurs 3 filleuls. Non. Une fois. Pour les récompenser d'avoir 3 filleuls. Et la prochaine fois, il faut qu'il y en ait 4 minimum. Il faut m'envoyer votre demande le premier du mois, pas un jour avant ni un jour après, aucune exception. Donc, hein, et en plus, si je reçois des demandes, je vais pas écrire oui, alors c'est le premier du mois, sinon, non, je vais dire, rien dire. Et puis, si la personne d'elle-même ne m'envoie pas le premier du mois, eh ben, j'ai gagné X euros. Enfin, c'est pas vraiment gagné. Enfin, on peut dire que c'est gagné, mais tout dépend. Peut-être plus tard, le mois d'après, peut-être qu'elle y pensera et là, elle me demandera le premier. Mais en tout cas, voilà, je vais faire comme ça. C'est mon offre. Après, il faut se bouger le cul pour avoir les sous. Donc, je vais pas courir après les gens pour leur envoyer des sous. Et après, il faut indiquer trois choses. Voilà, l'adresse email Bluderoll, le nombre de filleuls de premier niveau qu'ils ont. Maintenant, quand en premier du mois, et l'adresse PayPal pour recevoir les sous. Voilà. Donc c'est intéressant. Si on analyse le truc, oui, c'est vrai que je les paye, mais c'est parce qu'ils ont déjà des filleuls Bluderoll, donc ils sont déjà payés par Bluderoll. Donc pour ceux qui comprennent tout, ben, ils vont pas envoyer le formulaire. Voilà. C'est sûr, ça sert à rien. Et déjà, en plus, il faut quand même être mon filleul. Donc, s'ils sont déjà dans Bulderoll sur une autre filleule, c'est même pas la peine d'envoyer le formulaire. Je vais pas payer filleul des autres. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est mon offre. En fait, c'est une vidéo. C'est juste pour remettre le lien. Allez, bye bye.